Aujourd'hui, il y a une personne qui est mise en examen pour des faits d'incendie volontaire, alors même que dans le dossier, il n'y a aucun élément scientifique, aucun élément qui permet de déterminer l'origine de cet incendie. C'est dire qu'on peut très bien imaginer que dans quelques jours, dans quelques semaines, lorsqu'un expert aura été saisi par le juge d'instruction et qu'il rendra son rapport, il considérera éventuellement que l'incendie est de nature accidentelle. Lorsqu'il y avait un problème pour le ménage, lorsqu'il y avait un problème à la caisse, très facilement de par son caractère, parce que c'est quelqu'un tout simplement de gentil et je dirais même d'un peu naïf qui se laisse faire. Lorsqu'il y avait une difficulté, on avait assez facilement tendance à le désigner comme le coupable. De là à faire un raccourci lorsque le McDonald's brûle, ça me semble un peu simple.